Personne n'est parfait, tout le monde est unique. Pendant que tu rédiges cette lettre, que tu grattes le papier, l'encre de ta plume faiblit, se raréfie. Tes écrits qui sont décrits comme décrits, tu les écris, les apprécies lorsque tu les lis. J'ai écrit seulement avec ma plume seule, mais aussi avec les larmes de mon âme qui me sont sorties comme par magie et poussées à provoquer la rencontre de ton chemin. Oui, poète, je le suis aussi, car je suis un poète qui a cessé de jouer la marionnette. J'ai coupé les cordes qui me serraient pour vous libérer et délivrer à l'instant T tous mes péchés. J'ai connu par injustice. Injustice. Quoi ? J'ai été condamné à perpétuité pour m'être exprimé. Yo, c'est chaud. Injustice. Oui, je l'ai subi, je n'y croyais pas au début, mais c'est sûrement parce qu'on voulait que je ne croie plus en moi. Je ne pointe personne du doigt. Moi, pèlerin de la farce et des pluriels, il m'arrive parfois de dire des gros mots, de faire des bruitages de paix. Tout ça pour amuser une galerie qui ne veut cesser d'y croire. Il y a tellement de mensonges qu'on a du mal à entendre la vérité. Il m'a fallu réarmer le papier des milliers de pages et des milliers de fois. Apprendre pour comprendre et transmettre. Quoi de plus noble, de plus logique, de plus sincère. Et j'en passe. Et j'en passe. Et les gens passent.